On a pris quand même ce sommet à croire qu'il y a cette prochaine pour sortir du bois, parce que là, Olivier, j'en ai un tout petit peu marre de se faire mobiliser à l'infini, à tenter. Eh bien, Cyril Nicresse, encore une fois, sans tentative de dégrader, se casser par son petit pied. Et son petit pied qui permet de sortir du coin. Faire comme ça, très bon saut vertical, première fois, qui casse parfaitement. Une nouvelle fois, Didier Rivers de Rémi Bouche, qui attend son heure, mais par contre, le prochain est raté. Et c'est lui qui emmène champ, et là, la guise à l'île, par rapport! Je l'ai dit beaucoup d'espoir pour cette sphère diable. Avec un nombre de slash, ça va être très difficile. Ça va être très dur là. De faire quelque chose. Pour un TMF, un petit joueur du Japon qui a joué un bon jeu. Au lieu de trois coups, il va essayer de rééquilibrer un peu la puissance et le score dans cette équipe. Pour un tap, 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 tap. Voilà, le dictateur du fratère n'a quasiment plus aucune solution pour s'extirper. Le FLP joue très très bien. Son rôle ici d'un point de vue défensif, puisqu'il peut réellement empêcher eh bien, les 365 de s'enchaîner avec un PF. Tant qu'il n'en prend pas un dans le coin, et bien il y a une biche qui tient bon la barre et des bons à l'aspirateur, ça va. Ça va utiliser le immédiatement, parce que dans les airs, la garde, tu ne l'as pas, très bon arrière pour caisser, wouh, pouf, t'as des règles encore de prix, et le point qui est là, c'est celui qui t'empêche de sauter, mais après, c'est que le prochain était trop loin à mon avis pour tenter le 360, on dit trop, il ne faut quand même pas déconner sur la distance, mais derrière, qui casse, wouh, c'est la puissance du duo Pansu. Le pain de l'issue. Ah, partout. Ah, partout. Et c'est au tour de Chaos Flair. Chaos Flair. Il y aura des joies chez nous. Lise. Nous nous reste. C'est parti. Chaos Flair qui aura un match ultra favorable face à TMF. Et son Zangief. Je vais voir résister. What? Mais la fin de la journée, le pressing du parti élève est juste trop violent. Vanity RF, s'il vous plaît, il faut absolument le mal. C'est pas possible, c'est trop. Et encore, c'est de l'arrière, c'est sympa, mais on aura tellement plus 360 ici. Mais là, on n'a pas vu ce morceau qui est justement là, mal anticipé à son niveau, va pouvoir attaquer cet aspirateur. Hop, tellement loin. Oh, ce mouvement anticipé, on va faire la compétition. Le soir qui vient, c'est comme ça. Grâce au conseil de Bislash, TMF a réussi à sortir de ce match-up difficile. Et Orf est le dernier petit bouquet. Orf face à TMF, c'est maintenant qu'il doit prouver qu'il est au sommet. Et bien de ST en Angleterre. Et ce mouvement malien malheureusement sur ce double qui est encaissé. Mais la bienvenue à la garde là-dessus. TMF est présent partout, partout, partout. Il reprend. Mais à la fin, il y a des qui ne sont pas les solides, faut se soucier, faut vous faire jouer la prise boule, et à la prise boule, pour ce Taichon, une version qui nous sont encore du décès. Certains, c'est dangereux de sauter sur le bon, c'est très dangereux de sauter sur le bon, là il est derrière un peu trop nombreux, est-ce qu'il va, réussir avec le Shinku, n'aura pas de balle de match encore contre elle dans ce round-là. Ça l'arrête un peu à l'infini. Comment faire pour se remettre pour approcher encore une ultra-fois.
Il a même mis au barrette dans les dents. Il est très très sûr et très très en possession de son match. À moi, vraiment, la fête est un miracle. Je vois pas comment Thiemet pourrait se sortir de cette situation extrêmement difficile. Il va falloir qu'il sorte quelque chose d'assez fou à la Jiki, je ne sais pas, un truc qui sort de absolument nulle part. Comment faire? La règle pour lancer pour qu'il reste 40 secondes. Il essaye absolument de la mise au sol, mais il prend ce Jaconet, c'est la mise au sol. De Solis Magnaorov en ça va se jouer en 1. Qui de Matsoul ou de Orf remportera le trophée du Ismaïlov 4 Corby pour et favorable à Orf avec son chapelet qui évidemment sorti plus rapidement que la locale duquel de Matsoul. Et ça s'apprend à lui pour le film d'Aïcholviu. Et sur lui, moyen point qui n'a malheureusement pas mis au sol. Mais il retombera quand même sur son lequel à Jolie Sèvres. Attention, on nous intéresse ça. Vous réussissez à choper. Il a Chinkou à lequel ne part encore chasser mille. Chinkou, c'est dans la garde bonne de Matsoul. La garde bonne de Matsoul qui réussit à sortir avec un lequel il est toujours une guitare. Jamais, Matsoul va prouver dans ce russe qui dragon, mais c'est finalement attaqué par une manette et un overhead, et bien qu'il se fera ouvrir la garde et qu'il se fera, et bien perdre la première parcelle de sa vie, son tiart, et Matsoul doit être plus prudent, beaucoup plus prudent, parce qu'il a pris énormément de risques à considérer Matsoul, alors qu'il faut jouer ultra carré dans ce genre de moment-là, dans ce genre de finale absolument décisif, s'ils veulent repartir à côté dragon, il a eu le temps de dragonner, et il repart, ça c'est cross-up, à la chaque utilité, il va le cross-up. Maintenant ou jamais, est-ce que Mislav va être double champion du X-Player ou est-ce que ce sera un dragon là-dessus, enfin grosse difficulté. Yes.